S'ouvrir, c'est ça, hein? Oui, oui. Pourquoi tu veux suivre un stage ici, à Rapide, loin de la capitale, loin de tout? Eh bien, j'ai envoyé ma lettre à 100 députés, mais vous êtes le seul qui m'a répondu. T'arrives tout exactement? Pour aux presses, exactement. OK. Pour le stage, je suis en mission, pour apprendre. Quand je suis au Parlement, les lundis, vendredis, je consacre ça au bureau. Lis mes documents, raconte le monde du comté. Je suis une fille du Nord, née une nuit d'aurore. Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir, pas ça qui manque par ici, du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui? Commencez, là. Appuyez-nous donc. Y a pas de secret, hein, souverain. Faut rester proche du monde. Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée. Tu vas voter pour? Quoi? Je vais m'abstenir. T'abstenir? Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté. Je sauverai la planète après. Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes indépendant. Pas sûr que j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière? Moi. Monsieur Thibault! Venez! La députée conservatrice de Peace en Alberta a annoncé qu'elle s'abstiendra lors du vote sur l'envoi des troupes canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote. P. L'opposition, 153, pas moi. Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre? Vous êtes pour ou contre envoyer l'armée canadienne faire la guerre? Dans la situation, il y a ici toute une magnifique fenêtre de démocratie directe. Je pense que c'est mon devoir de consulter la population. Le vote décisif? Oui, dans ma tête, ça, là, tu me fais monter le stress. T'as une chance de montrer que t'es un leader, Steve. Monsieur Guibault, vous avez une appel d'Ottawa. C'est le bureau du premier ministre. I'm about to reshuffle my cabinet. I can name whoever I want, as long as the person is an elected member of parliament. Sais-tu comment le monde va me regarder? La fille du gars qui envoie ma génération en guerre. Monsieur le maire. Steve, toi et puis moi, pas sur la même longueur d'onde. Tout le monde pense que c'est moi le gros méchant. Vous bloquez les routes pour que les Algonquins ne bloquent plus la route. C'est sûr que, dit de même. Arrête de subir. Prends mes commandes. Bing. J'ai bien hâte de voir ça, Monsieur Guibard. Je vais vous dire, moi, ce qui va changer si on part en guerre. Des gens! Qui c'est qui est pour la guerre ici? T'es rentré en politique pour changer les affaires? Mais tu peux pas. Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir. Ce serait le fun que nos sacrifices en valent la peine. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, je dis fuck off. Tu n'as pas d'opinion. Ton vote est pas à vendre. Pour ou contre? Me semble c'est simple. Puis toi, Guibard, c'est quoi ton opinion? Mon petit gang de malades! Qu'est-ce que c'est ça? T'as appris dans tout ça? J'ai appris que je ne savais rien. Oh boy, ça fait des années que j'ai compris ça.